Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Nous tentons justement de leur donner un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit chaque matin quand on commence cette émission que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon, excusez-moi, notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de pouvoir voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les partager, notre manière à nous de les ressentir. C'est nous qui parlons ici dans les Décrit Info. C'est nous. Nous comme Perouluara, nous comme Sepel, nous comme individus. Je viens ici non pas pour un reportage, non, je viens pour donner mon point de vue parce qu'ici je suis en train d'utiliser le genre journalistique qu'on appelle éditorialiste. C'est l'éditorial plutôt, c'est donc dans la peau de l'éditorialiste que je me présente devant vous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Laissez-moi, comme on a l'habitude de le faire, vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder au travail que nous faisons ici. Merci, la main sur le cœur, pour votre confiance. J'ai vu que vous ne cessez de vous abonner, continuez à vous abonner, continuez à le faire comme vous êtes en train de le faire. Et appelez vos proches, vos membres de famille aussi à pouvoir s'abonner s'ils veulent avoir l'information à la bonne source, l'information incolore, inodore, l'information d'un média qui se veut un média au milieu du village. C'est donc CPL Télévision. Merci aussi à nos partenaires, la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolobe et Toko. Vous avez vu donc les spots publicitaires au début de cette émission. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez commander vos vestes, vos chaussures, vos chemises. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Je l'ai dit et je l'ai toujours dit. Je rappelle d'ailleurs que l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est chez la Londoloise avec Judith Londolobe et Toko. Et d'ailleurs, c'est elle qui nous habille encore ce matin. Merci aussi à Colette Nzinga avec sa fondation Les Dieux de Moïse. Colette Nzinga qui est donc en Suisse et qui a toujours son cœur entre ses mains quand nous avons des problèmes d'ordre humanitaire où il faut venir à la rescousse des gens, des nécessiteux, des personnes vulnérables. Colette Nzinga n'hésite pas une seule seconde à pouvoir intervenir à chaque fois que nous lançons un cri auprès d'elle. Les amis, vous avez vu mon thème. Aujourd'hui encore, je suis revenu pour qu'on parle un peu de propos de M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Mais à côté, j'associerai aujourd'hui la réaction de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui lui aussi a donné une interview hier aux médias internationaux en revenant justement sur cette question importante de déclaration de M. Paul Kagame. Est-ce que la réplique de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, était-il à la hauteur de ce que les Congolais attendent? Est-ce que nous avons été satisfaits de savoir que notre président a pris position? Je parlerai de ça et puis j'ouvrirai les débats pour que vous puissiez commenter, comme on a toujours l'habitude de les faire. Vous pouvez nous appeler en dehors de ces plateaux, vous pouvez commenter, vous pouvez critiquer. C'est ça donc le débat, parce que nous sommes foncièrement démocrates et nous croyons aux vertus de la démocratie. La démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. Mais vous connaissez le principe de cette émission. Le principe, c'est que nous avons pris l'engagement, et vous et nous, de pouvoir réserver les premières minutes de cette émission, de ce décrit, de ces éditos, à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, bien avant même que le président de la République lance son état de siège, moi ici j'avais lancé une campagne de mobilisation, une campagne de sensibilisation pour la solidarité. J'appelais les Congolais de tous bords, les Congolais de toutes tendances, où ils sont, à pouvoir avoir une pensée pour leur pays. Parce que j'estime que le Congo est le seul bien commun que nous avons. Le Congo est l'héritage, le patrimoine commun que nos ancêtres nous ont laissé. C'est une récitation, c'est devenu pratiquement une récitation, mais qui a un sens à mon point de vue. Et j'ai toujours dit que nous, comme peuple, comme citoyens, nous avons la responsabilité de pouvoir protéger ce bien commun que Dieu nous a donné,
de pouvoir le fructifier, de développer afin de céder à nos enfants un pays beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui. C'est d'ailleurs aussi ça qu'on retrouve dans notre hymne national. Lorsque nous chantons le debout congolais, quelque part nous disons, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Notre responsabilité, c'est de bâtir au cœur de l'Afrique un pays beaucoup plus beau qu'avant, un pays plus beau que ce que nous avons hérité de nos ancêtres. C'est ça la responsabilité des parents. Quand on est parent, on fait de son mieux pour que ses enfants vivent mieux que soi. Vous avez étudié dans des mauvaises écoles, mais vous vous battez pour que vos enfants étudient mieux. Vous avez étudié dans des écoles, vous avez eu des difficultés pour manger, pour faire ceci. Vous travaillez, vous cravachez, vous bossez pour que vos enfants puissent avoir un mieux-être. Ça doit être le créneau de nous tous Congolais. Partout où nous sommes, travaillez pour que le Congo soit bien. Travaillez pour léguer à nos enfants un Congo mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. C'est ça le sens des responsabilités. Et ce Congo-là, moi je le vois sans guerre. Ce Congo-là, moi, je les vois en paix dans toutes ses frontières. C'est 2 345 410 km² de superficie. Je voudrais que nous ayons la paix partout à travers la République. Et j'étais choqué. Je trouvais anormal que dans l'est de notre pays, que nous ayons des situations catastrophiques, difficiles comme on l'avait. Et qu'ici à Kinshasa ou ailleurs, que l'on soit à Paris, que l'on soit à Bruxelles, qu'on soit à Amsterdam, à Dublin, je ne sais pas moi, à Washington, en Arizona ou à Sydney, que l'on donne l'impression que ce qui se passe dans ce pays ne nous intéresse pas. C'est comme ça que j'avais dit, j'alerterai l'opinion, je ferai le travail des lanceurs d'alerte. Si une seule personne, si deux personnes peuvent écouter ma voix, j'aurais fait mon travail parce que mon travail, c'est le journalisme. Et donc, j'avais décidé de mettre en contribution mon micro et ma caméra, des instruments par lesquels je rentre en contact avec vous, sans oublier ma voix, pour appeler, pour alerter l'opinion que ça ne va pas, pour dire au monde que ça tue chez nous, pour dire au monde que ça viole chez nous, pour dire mon indignation, mon incompréhension, exprimer ma solidarité par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République, exprimer mon attachement à nos compatriotes de cette partie-là, alerter l'opinion et nos autorités en leur disant, messieurs, on arrive au pouvoir pour apporter un mieux-être à son peuple. En disant à nos autorités, messieurs, on n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre, pour faire la comptabilité des erreurs de ceux qui étaient là avant vous. On suppose que vous avez fait la cartographie de la situation et vous avez sollicité le suffrage. Les Congolais vous ont fait confiance en vous donnant les suffrages, en vous amenant à la tête du pays. Apportez-nous un mieux-être. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous cabrer derrière les erreurs, les insuffisances de votre prédécesseur. Apportez-nous les changements. Apportez-nous les mieux-êtres. Et je disais que si une, deux ou trois personnes peuvent entendre ma voix, j'aurais fait mon travail. Je suis heureux de constater aujourd'hui que le Congo, que les autorités ont entendu notre voix, que les échos de nos cris ont percé chez eux. C'est ici l'occasion de réitérer mon soutien, mon adhésion totale à l'état de siège lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si on est vrai Congolais, les amis, si on a le sang congolais qui coule dans nos veines, on ne peut pas remettre en cause toutes les décisions que les autorités prennent dans le cadre de leurs fonctions pour que la paix définitive revienne chez nous. Monsieur Tshisekedi a exprimé son ambition de pouvoir ramener totalement la paix dans notre pays. Essayons sa recette. Essayons son remède. Donnons-lui la chance. Soutenons-le. En le soutenant, c'est en réalité pas M. Tshisekedi que nous soutenons. C'est le Congo que nous soutenons. C'est la terre de nos ancêtres, la terre que nous léguons à nos enfants que nous soutenons. Nous soutenons nos frères et sœurs qui sont dans des situations terribles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je l'ai dit et je le répète, que Dieu vous aide. Monsieur le Président, je voudrais une fois de plus vous exprimer mon soutien par rapport à l'opération de l'état de siège que vous avez lancé. Messieurs les FARDC,
monsieur le haut gradé de l'armée de la police nationale congolaise, aujourd'hui plus que hier, le Congo a besoin de vous. Notre président a dit qu'il voudrait que la paix soit définitive dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez le soutien des Congolais, chers forces armées. Battez-vous pour la terre de vos ancêtres. Battez-vous pour la patrie. Et les Congolais, les vrais, sont derrière vous. Force à nos FARDC. Force à notre président de la République. Soutien total à l'état de siège lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et aux sceptiques, j'ai l'habitude de leur dire, la loi est claire quand vous lisez l'article 85 qui donne au président les prérogatives de pouvoir déclarer l'état d'urgence ou l'état de siège. Il est clairement dit que le président le déclare pour un délai de 30 jours. 30 jours. Et que si le président veut prolonger ces délais-là, 15 jours, 15 jours, il doit passer par le deux chambres du Parlement. En y passant, le chef de l'État fera certainement le point. Donc on aura le temps de faire le point en disant, écoute, est-ce que l'opération de l'état de siège que M. Tshisekedi a lancée a porté les fruits? Est-ce qu'il y a eu des ratés? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Consolidons les avancées, évitons les ratés, corrigeons ce qui n'a pas marché, renforçons ce qui marche. L'objectif ultime étant de pouvoir sauver la patrie qui est en danger. L'objectif ultime étant de mettre nos compatriotes à l'abri des massacres. L'objectif ultime étant de mettre nos mamans, nos filles à l'abri des viols. À l'abri des viols. Et après, quand on aura effectivement recouvré définitivement la paix dans l'Est de la République, nous pourrons envisager alors à faire payer par de voies légales, notamment les voies judiciaires, les responsables de ces actes odieux, de ces actes crapuleux, de ces actes de massacre, de ces actes de viol. Ils doivent répondre de leurs actes. Ils doivent répondre de leurs actes. Que ce soit eux, que ce soit leurs complices, que ce soit les exécutants, que ce soit les têtes qui ont pensé à ces choses-là, le Congo doit être capable de les amener devant les cours des tribunaux, que ce soit national ou international, pour qu'ils payent de ce qu'ils ont fait. Voici ce que j'avais à dire par rapport à l'Est de la République. Et je voulais donc aborder ma question du jour. Le thème de ce jour, les amis, c'est cette proposition de réflexion que je vous fais sur la réponse de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux propos négationnistes qui ont choqué la plupart des Congolais et de M. Paul Kagame. Vous l'avez peut-être suivi, j'en ai parlé lors de ma précédente émission. J'ai évoqué justement les propos tenus par Paul Kagame, des propos négationnistes, des propos choquants contre notre prix Nobel de la paix. Et comme l'attendaient beaucoup de Congolais, M. Félix-Antoine Tshisekedi a résolu de répondre à Paul Kagame. Je vous propose, si vous ne l'avez pas suivi, d'abord ce petit extrait de son Excellence, M. le Président, répondant à son homologue rwandais. Je viendrai après pour donner mon point de vue et j'ouvrirai les débats. C'est la réalisation avec merveille qui est de l'autre côté prête avec moi. Donc, suivez d'abord son Excellence, M. le Président de la République. Ben d'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent. Ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation, donc il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement,
Je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays, parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, ce qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. Vous venez donc là de suivre son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, répondant à Monsieur Paul Kagame, son homologue rwandais. Je l'ai dit ici avant-hier quand j'évoquais la question. J'ai dit qu'il ne revient pas à Monsieur Kagame de pouvoir reconnaître le massacre perpétré dans l'Est de la République. Moi, j'étais surpris, j'avais l'impression que nous, Congolais, on réagissait sur base des émotions. Kagame est un président d'un pays autonome, un pays indépendant qui s'appelle le Rwanda. Le Rwanda est un pays accusé, mis dans le banc des accusés, dans le massacre perpétré en République démocratique du Congo. Quand vous lisez le rapport Mapping, les Rwandais sont dans l'obligation de se sentir un peu esquintés par rapport à ce qui est dit dans ce rapport-là. Depuis plus de deux décennies dans ce pays, le Rwanda est responsable de beaucoup d'atrocités chez nous. L'armée rwandaise, à un moment donné, a envahi le Congo. On n'oubliera pas la guerre des six jours à Kisangani, entre le Rwandais et les Ougandais, beaucoup de morts. Les massacres de Tingi Tingi, Makobola, Kasisi. Il y en a eu beaucoup comme ça. Des femmes qui ont été enterrées vivantes. Le Rwanda n'est pas innocent par rapport à ce qui se passe ici chez nous. Nous ne pouvons pas demander au président du Rwanda de venir devant la communauté internationale, devant la presse internationale, reconnaître des faits pour lesquels son pays se trouve sur le banc des accusés. Le Rwandais Paul Kagame a joué sa partition, ce qui est d'ailleurs normal. J'avais dit à nos compatriotes, moi je serais étonné, j'aurais été surpris de voir le président rwandais tenir un discours différent de celui qu'il a tenu en reconnaissant qu'il y a eu des massacres dans l'Est de la République. Si Paul Kagame reconnaît le massacre dans l'Est de la République démocratique du Congo, en quelque sorte, Paul Kagame cloue son propre pays parce que son pays est pointé du doigt. Avez-vous déjà vu un assassin qui, sans avoir été devant les juges, reconnaît, vient et dit oui, il y a eu assassinat et que non. Kagame le sait que son pays se trouve dans la peau des accusés, son pays se trouve dans la peau du coupable. Et lui-même, Kagame, comme individu, dans le cadre de ses fonctions comme président de la République, il n'est pas innocent des faits, des massacres qu'on décrit aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc ne soyons pas surpris que cet homme-là vienne avec un discours négationniste, ce qui est d'ailleurs normal. J'ai vu aussi les Congolais se plaindre en disant « Oui, mais il a minimisé Mukwege. » C'est normal. Parce que Mukwege, c'est notre fierté nationale aujourd'hui. Mukwege, c'est notre voix. Quel est le combat de Mukwege aujourd'hui? Mukwege est en train de faire un lobbying à l'international pour que la communauté internationale, non seulement qu'il reconnaisse les massacres perpétrés depuis plusieurs années dans l'Est de la République, mais qu'un tribunal international pour la RDC soit mis en place. Et c'est un discours qui ne peut nullement plaire au gouvernement rwandais. C'est un discours qui ne peut nullement plaire aux responsables rwandais. Parce que si un tribunal international pour la RDC est mis en place, le Rwanda sera dans l'obligation
de venir répondre de sa responsabilité sur le massacre perpétré à l'est de la République. C'est normal. J'ai été choqué par les discours de Paul Kagame, mais je n'ai pas été surpris, parce que c'est un discours, c'est une position à laquelle je m'attendais. C'est normal que M. Kagame puisse aller dans ce sens-là. Moi, la dernière fois, je vous ai dit, le problème, ce n'est pas ce que dit le Rwanda. Le problème, ce n'est pas ce que dit M. Kagame. Le problème, c'est ce que nous, nous faisons. J'ai suivi son Excellence, M. le Président de la République. Je vais dire deux, trois choses avant de donner ma position. La première des choses, je trouve que pour entretenir l'opinion nationale, M. Tshisekedi devait prendre la parole. Il a bien fait. D'abord, en termes d'opportunité, il était opportun que notre président de la République, après le tollé soulevé par les discours négationnistes de M. Kagame, son Excellence, M. le Président de la République, devait prendre la parole pour son opinion interne. Le silence du président de la République n'aurait jamais été compris par la plupart des Congolais. Le silence du président de la République aurait pu être considéré comme un silence coupable ou complice à ce que Paul Kagame disait. Donc en termes d'opportunité, bravo à M. Tshisekedi, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait un feedback, il fallait absolument qu'il y ait une réponse par rapport à ce que M. Kagame dit. Donc c'était opportun, premier élément, bravo à lui. Deuxième élément, j'en viens au fond de ce que M. Tshisekedi dit. Le président de la République dit que je connais les canaux par lesquels je passerai pour répondre à Paul Kagame. Le président de la République reconnaît d'emblée ses bonnes relations qu'il a avec M. Paul Kagame. Moi, j'ai été un peu mal à l'aise. M. Kagame sait qu'il est en bon rapport avec M. Tshisekedi. Pourquoi lui n'a-t-il pas utilisé les canaux que nous vante notre président de la République pour dire ce qu'il a dit là? Fallait-il pas opposer à Kagame la réciprocité des relations internationales en répondant de manière musclée à M. Kagame? Je me pose la question, ma position, je la donnerai à la fin. Certains Congolais ont estimé que la réponse de son Excellence, M. le Président, n'était pas musclée. Que la réponse de son Excellence, M. le Président de la République, n'était pas ferme. Devant la monstruosité, la méchanceté des propos négationnistes tenus par M. Paul Kagame, Félix Antoine Tshisekedi lui a réservé une réponse diplomatique et une réponse, j'allais dire, de sagesse. Et certains de nos compatriotes ont estimé que c'est... J'ai même vu certains aller un peu loin en disant que c'est de la lâcheté, c'est un manque de fermeté, les propos de Paul Kagame étaient durs. Mais le président a joué la carte de la sagesse et la carte de la diplomatie. Mais dans le fond, quand vous regardez ce que M. Tshisekedi dit, il a pratiquement répondu aux éléments. Je suis heureux de constater que le président de la République a rétabli la mémoire des messieurs, je vais dire la mémoire ou l'image des messieurs Denis Mukwege. Mukwege est une fierté nationale que le Rwanda n'a pas. Lorsqu'il reconnaît que Mukwege est une fierté pour le pays, Mukwege est une sorte de légende que le pays doit protéger, là j'ai dit, d'accord monsieur le président de la République. Parce que Kagame a relativisé un peu l'aura de Mukwege en disant que c'est un homme qui a été recruté, on lui a décerné ce titre-là et on commence à lui mettre des propos dans la bouche. Notre président a rétabli l'image de notre prix Nobel de la paix. C'est une bonne chose. Mais concernant les massacres, j'ai trouvé que son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas pris soin d'assumer et d'affirmer qu'il y a eu effectivement massacre dans l'Est de la République. Le Président se cabrait derrière le rapport Mamping. Quand vous suivez le discours du Président, il dit, effectivement, le rapport Mamping, c'est un rapport qui a été fait par des personnes indépendantes, par des personnes neutres. Là, le président joue un peu à la sagesse en se cabrant derrière le rapport Mamping. J'aurais voulu que notre président soit un peu plus affirmatif en notant qu'effectivement, au Congo, il y a eu des massacres.
J'ai trouvé que c'est un discours qui n'a pas été ferme dans le cadre de l'affirmation du mal que nous avons eu. Le président a dit oui, effectivement, le rapport Mamping est un rapport qui a été fait par des personnes indépendantes, par des personnes neutres, par des personnes, voilà, et qu'à son temps, il va falloir que la justice soit faite, mais pour le moment, c'est la paix, Donc le président est allé se calfeutrer derrière le rapport Mamping. J'aurais voulu que la voix du pays soit entendue, que notre président confirme et affirme qu'il prenne ses responsabilités en reconnaissant qu'effectivement, dans mon pays, il y a eu massacre. Nous n'avons pas besoin des rapports Mamping pour reconnaître qu'il y a eu massacre chez nous. Nous vivons ici chez nous. Nous savons qu'on nous tue, on nous a tués, il y a eu des massacres. Le problème, ce n'est pas le rapport Mamping. Le problème, ce n'est pas le massacre. Le problème, c'est ce que nous en faisons. Parce que quand vous lisez même le communiqué des Nations Unies de la MONUSCO qui apporte son appui au rapport Mamping, il dit qu'il dépendra de la République démocratique du Congo d'enclencher les mécanismes internationaux pour demander à ce que des réparations soient faites par rapport à ça. La responsabilité, c'est nous. J'aurais voulu que le président prenne le taureau par le corps en se cabrant pas sur les rapports Mamping, mais en affirmant haut et fort qu'effectivement, chez nous, il y a eu des massacres. J'ai trouvé le président un peu... J'ai trouvé les mots. J'ai eu l'impression que le président a rasé les murs sur la question de nos massacres en allant se cacher vers le rapport Mamping. Mais je le comprends parce qu'après, le président dit que le problème pour le moment, c'est d'abord la paix. J'étais mal à l'aise de voir que le président n'affirme pas haut et fort, ne reconnaisse pas haut et fort que nous avons des massacres chez nous. Mais après les phrases qui ont suivi, le président donne plus importance aux questions liées à la paix. Le président sait que nous souffrons dans l'Est de la République. Pour le moment, le plus grand objectif, c'est de retrouver la paix. C'est de retrouver la paix. Une fois que la paix sera effective, nous pourrons alors revenir sur ce qui s'est passé afin d'honorer la mémoire de nos victimes. Les amis, je dis ce que je l'ai dit hier et je le répète. C'est à nous de pouvoir construire la mémoire collective. C'est à nous de pouvoir faire reconnaître les massacres. Nous devons travailler pour que ce qui est arrivé ne puisse plus se reproduire. Nous devons travailler pour enseigner à nos enfants que dans ce pays nous avons été massacrés et que ces choses-là ne doivent pas se reproduire. Ce n'est pas aux autres. Je l'ai dit et je le répète, arrêtons de trouver des boucs émissaires ailleurs. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit ici. Cette histoire de faire la comptabilité sur les erreurs des autres, cette histoire de dire l'enfer c'est l'autre, moi je ne suis pas d'accord. Kamer était ici, c'est lui qui bloquait, c'est lui qui faisait des blocages. Kamer part plutôt, on nous dit c'est Kabila, c'est Kabila. Kabila est parti, aujourd'hui on tire sur Moïse Katumbi, Moïse Katumbi. Non, prenons nos responsabilités. Nos responsabilités comme État, comme peuple, c'est de faire reconnaître le massacre dont on a été victime. Et d'utiliser ces passés sombres pour que l'avenir ne puisse plus nous réserver ce genre de surprises-là. Le président n'a pas été affirmatif sur la question des massacres. Le président se cabrait sur le rapport Mamping et moi, ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise. Mais après, on sent que M. Tshisekedi tient absolument à régler le problème de la paix et qu'à ses yeux, la paix passe avant même des questions liées notamment à la recherche du passé, à de réparation, de choses comme ça. Voici ce que moi je pense de tout ça. Là, j'étais en train de vous présenter un peu les choses. Je pense que M. Tshisekedi est dans une situation un peu compliquée. Et étant dans sa position, le président devait jouer un peu aux équilibristes. N'oubliez pas qu'il est à la tête d'un pays fragile qui depuis 20 ans, deux décennies, un peu plus de deux décennies d'ailleurs, connaît sérieusement des problèmes dans sa partie est. Que nous le voulions ou pas,
Nous ne pourrons résorber définitivement la situation sécuritaire dans l'Est si nous ne sommes pas en adéquation ou en harmonie avec nos voisins. Tolingate, toko vivre na Rwanda, wana toko vivre na Uganda. Et le mieux à faire, c'est non seulement que nous ayons la paix ici chez nous, mais c'est aussi d'avoir des relations harmonieuses avec ces pays-là. Le président de la République est président en exercice de l'Union africaine. J'ai vu certaines personnes dire non, Kagame aussi était président de l'Union africaine, mais il n'hésitait pas à tenir certains propos. La difficulté qu'a eu le président de la République, c'est la difficulté de jouer aux équilibres. Il fallait qu'il fasse un exercice équilibriste dans la mesure où il vient d'engager l'armée dans une guerre, dans un état de siège, et que l'Est de la République démocratique du Congo étant encore instable, il ne fallait pas répondre de manière brutale, de manière frontale à un Kagame vantant en guerre, au point de désarticuler les quelques rares attelages sécuritaires qu'il est en train de mettre en place dans l'Est de la République. C'était ça sa difficulté. Fallait-il aller frontalement contre M. Kagame? Fallait-il tenir un discours assez vantant en guerre contre M. Kagame? Le président a estimé, je trouve que c'est à juste titre, que mettons de l'eau dans le vin, jouons la carte de la sagesse et de la prudence, donnons la chance aux opérations de paix. Une fois que la paix sera totalement recouvrée dans l'est de notre pays, nous pourrons alors rouvrir ces dossiers sensibles des massacres, ces dossiers sensibles des relations tumultueuses que nous avons eues notamment avec le Rwanda. Donc j'ai dit que c'était opportun que le président de la République parle, j'ai dit que je regrette que le président n'ait pas été affirmatif, mais j'ai dit aussi que je comprends que le président était dans un exercice équilibriste pour ne pas désarticuler l'attelage sécuritaire qu'il est en train de mettre dans l'Est de la République, avec notamment cette histoire de l'état de siège. Les amis, voici ce que j'avais à vous dire. Voici mon point de vue sur la réaction de M. Tshisekedi. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.